Et salut à tous, bienvenue dans ce sixième épisode sur Human Resource Machine. On s'était laissé sur un beau mystère. Voyons voir si la suite des niveaux nous en dit un petit peu plus. Parce qu'on était laissé sur une petite phrase étrange. Ah, et on aura une pause café. Alors, superbe épisode en prévision, inversion de chaîne, allez 31, c'est parti. Ouais, ça veut dire bonjour à l'envers, apparemment. Comment allez-vous aujourd'hui? Ok. Sérieusement maintenant. Pour chaque chaîne, terminez par un 0. Dans l'inbox, mettez-la à l'envers et envoyez le résultat dans la outbox. Recommencez. D'accord. Est-ce que... Je suis comme dans l'épisode... Ah oui, on peut faire ça. Alors c'est trop bien. Regardez ce que l'on va faire. On va le prendre dans l'inbox. Si c'est 0, on va sauter là pour l'instant. Si c'est pas 0, qu'est-ce que l'on va faire? On va le copier vers ce qui se trouve à la case 14. Donc au début, ça sera 0. Et ajouter. Et ajouter 1 à la case 0. Enfin, la case qui contient 14, ça sera 1. Ensuite, si c'est... Donc, hop, et on recommence à reprendre dans l'inbox. Ensuite, si c'est 0, on va déjà enlever 1 ici. Et ensuite, on va copier from ici. Mettre dans l'outbox. Et si c'est 0... Hop, moins 1. Je crois qu'il le prend. Si c'est 0, ça veut dire que... Non. Si c'est négatif, ça veut dire qu'on a tout fait. Dans ce cas-là, on revient là. Et une fois qu'on a mis dans l'outbox, on va refaire un moins. Voyons voir. Donc voilà, oui c'est ça, il le prend bien la main. C'est ça, tout à fait, la case 1. On lui met 2. Voilà, dans la case 0. Ensuite, on lui met 3. Cloud. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est le cloud. Donc, l'étape décisive, c'est un 0. Clac, on met moins 1. What? Ah, petit problème, il faut cocher la case pour prendre ce qu'il y a dans le contenu de la case 0. Hein. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Bon, décidément, ça ne va pas. Hein. Ok, alors, on. Ok, donc, on va choper. Oh, c'est 0. On va enlever 1. Pouf. On a un, on prend celui-là. Voilà. Oh, ça passe. C'est 0. Et puis, il y a juste cette transition-là qu'on va voir si ça passe. Après, on accélérera un petit peu, les amis. Adresse de case invalide. La case moins 1. Eh bien oui, tout simplement parce que je n'ai pas remis à 0. Mais comment faire? On va faire si c'est négatif, on va faire un plus 1 ici et un jump pour remonter. Et puis voilà. Voyons voir. Voyons voir si ça marche. Et puis il faut la remettre à 0 sur la case moins 1, on va pas aimer. Oh non non non, il va pas aimer. Voilà, pour l'instant tout se passe bien. On va voir, est-ce que c'est un 0? C'est un E. Pour l'instant c'est bon. C'est bon, jusque là ça allait en fait tout à l'heure. Moi je vais juste voir la transition avec la suite. Il fait moins 1, c'est négatif, on remet 0. Ok.
On réécrit par-dessus. On va aller accélérer un petit peu. Si c'est vous m'en voulez pas. Histoire que l'épisode dure un petit temps quand même. Qu'on ait fait un peu de niveau. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais qu'on ait fait un peu de niveau quand même dans cet épisode. En plus, ça a l'air fonctionné. Auto time bite. Parce que ça vient non plus auto time bite. Non, 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 non. Je suis joyeux, j'ai envie de chanter, moi, aujourd'hui, dis donc. Voilà, et on va réussir. Est-ce qu'on va avoir les défis d'optimisation? J'ai bien peur que non. Ça l'envoie. Yeah! 11 commandes, on doit dépasser. 12. Oh! Et du coup, ouais, on a eu une étape de trop, c'est marrant. Alors, bilan d'inventaire. Alors, attendez. Comme j'ai... vu qu'il y avait une pause café, je vais sortir l'outil pour gérer le volume. Ça va nous permettre de monter le son quand on sera à la pause café. Comme un fonctionnaire, je prévois la pause café. Et allez, c'est parti, vérification d'inventaire. Contrôle de comptabilité, pardon. Audit surprise, ce sont là quelques-unes de mes activités favorites. C'est parti. Alors, pour chaque élément dans l'inbox, envoyez vers l'outbox le nombre total d'éléments identiques sur le sol. Oui. Le nombre d'éléments identiques sur le sol. Le nombre, il faut donner le nombre d'éléments identiques sur le sol. Alors, déjà, il va nous falloir mettre un compteur pour parcourir les cases. Et un compteur pour compter le nombre de fois. Alors, déjà, on va le prendre ici dans l'inbox et on va le copier... sur la case 19, hein. Ça ne paraît pas trop mal. Ensuite, je vois qu'il y a un 0. Alors, pardon, je baille. On va copier la case 14 et on va le copier dans la case 15 qui nous fera notre compteur. Donc ça, c'est... pardon. Ça, c'est case... c'est pas écrire, voilà, case. Et elle va s'appeler compteur. C'est PTR, parce que c'est plus court. Pouf, pouf, pouf. Ok. Donc il y a 0 partout. On a copié ça dans lettres. Lettres. Pas facile à écrire avec la souris. Lettres. Très bien. Ça commence à être lisible. Je m'exerce, c'est pas trop mal. Allez, on passe à la suite. Donc, une fois qu'on est là, on va copier donc tac le contenu ici, du contenu case, logique. Et après, il va falloir, est-ce que si on fait un substrat, on soustrait. On va faire autrement. Regardez, on va économiser l'initialisation. On fait tout au début. Copy from case, copy to counter. Copy from net, copy. Ça, c'est même pas un copy from case. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Là, c'est. Voilà, là, c'est un copy to lettre. Copy from case, on met dans le compteur. Ok. Ensuite, on l'a encore dans la main. Donc, on va faire on va soustraire cette adresse, celle-là. Alors, si c'est 0, on fait un. Et on fait un bump de ça. Et si c'est 0, on fait un bump plus de ça. Voilà. Sinon.
On recommence. Au campion, lettre. Et là, on recommence aussi. Ok. Ici. Il va falloir que l'on fasse une condition d'arrêt. Parce qu'il faut qu'on s'arrête quand on a un nombre. Faut que l'on s'arrête quand on a un nombre. Alors, comment on peut faire notre histoire? Parce qu'il faut que quand on copie le tout, on tube à case. Quand on bump plus case, si case est plus grand que 13. Ah non. Quand on a ça, on va le soustraire. Ce qu'on a copié là, on va le soustraire. Et je me bêtise. Si quand on attrape lettre et qu'on le sup. Alors il faut qu'on fasse l'inverse. Il faut qu'on copie l'adresse qu'il y a là et qu'on le sub du coup à qu'on le sub à lettre. Pourquoi? Parce que si je copie à l'adresse qui est là, voilà, si je copie à cette adresse et que je fais un sub du contenu, si c'est 0, c'est que c'est fini. On revient là, on prend copy from le compteur et on le met dans la outbox. Et puis évidemment on n'oublie pas de remonter cette fois-ci tout en haut. Voyons voir, alors B1, 2, 3, 4, 5. On devrait mettre 5 dans la outbox si tout va bien. Ah, fais bêtise. Non, on fait une bêtise. On copie from case et on met dans compteur. Pourquoi il l'a pas fait? Youhou! Ah. Pardon. On prend la case, on prend pas l'adresse. Allons-y. Voilà, donc, on va expliquer la case 0 et notre compteur est pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait? Oulalala. Ah oui. Donc là, il faut faire un copy to. Il faut faire un copy to lettre. Et là, c'est pas un copy to, c'est un copy from. Ouh là là, il fait n'importe quoi. Je me suis mélangé les pinceaux. Allez, on recommence. Les compteurs sont initialisés. Lettre X. 0. Compteur 0. Ça marche pas, ça marche pas. Ça fait 0. X moins B fait 0. Zut alors. Comment on peut faire cette histoire? X moins B, ça fait 0. Donc ça marche pas notre condition. Comment on peut le comparer? Comment on peut comparer des lettres entre elles? C'est bizarre. Je refais le petit setup. Là. On prend B. Moins B, 0. Bah c'est pour ça. Et ouais. Et on lui sub la lettre. Ah non, non, non. Stop. C'était bien case. Mais sans crochet. Ah ouais, donc B moins B, ça faisait bien 0. Je suis d'accord. Jusque là, tout allait bien. Ok, on recommence. B. B moins ça. Euh.
Ok. Ok. Du coup, on va avoir le même problème en arrivant sur la case. Oui. Comment on peut faire pour que ça s'arrête? Comment on peut faire quand on a fini de compter? C'est une bonne question. Comment je peux faire pour savoir quand est-ce que j'ai fini? C'est bien une bonne question, ça, les amis. Comment on peut faire cette histoire? Ça me perturbe. Hein, je vais pas vous le cacher, ça me perturbe cette histoire. Oula, mon icône de bureau se sont mis à clignoter. C'est bizarre. Pourquoi ça ne... Comment on peut s'arrêter? Parce que c'est la casse. Oui. C'est bien ça, si on coupe. Et oui, mais on peut pas faire un sub de lettres. Et un chiffre. Hey. Sinon, on va le faire à la bricolo. On va faire bricolo. Regardez ce qu'on va faire au tout début. On va copier depuis case. Et on va copier from case. On copie tout 16. Et là, on l'appelle fin. Voilà. Et ensuite, on fait donc 1. C'est bourrin. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, ça c'est rigolo, on a rajouté pas combien d'étapes. Ben 18, tant qu'à faire, non 16. Voilà, donc il faut enlever ça. Il y aura un jump if 0, mais c'est quand on bump plus compteur là, et ça on l'enlève. Là, bump plus compteur, et on sub la case fin. Voyons voir alors. 3, oh non, jusqu'à 14. Oh, arnaque. La grosse arnaque. Ça sera pas très efficace, mais bon, au moins, ça, j'espère que ça va marcher. J'espère, je dis bien j'espère. 14, superbe. On refait le setup de tout à l'heure. Ensuite, on prend B, on met dans lettres. Et oui, alors, clac. On soustrait la lettre. Ça fait 0, donc, hop, on prend 0 et on met dedans. What? Oui. Non, je fais une bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, lui, qui doit aller là. Ça, c'est sûr. Donc, si c'est la bonne case...
Et j'y fais. Je fais n'importe quoi. On reçu la lettre, si ça vaut 0. C'est-à-dire que c'est la même. Donc on met plus sur le compteur. Et on remonte. Ici. Bon allez, on recommence. Alors, je vais accélérer un peu le temps qu'on fasse le truc là. 14. B, ça fait 0. On fait plus 1. On fait plus 1. C'est bon. Ah. Oh, ça fait moins 1. C'est tout bon, on continue. X, c'est toujours pas bon. B, voilà. Clac, on fait plus 1. On compare, on est toujours pas arrivé à la case. Hop, c'est toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. Voilà. On continue à correspondre. C'est toujours bon. Là, tac, ça va faire un 4. Ok, on continue. C'est toujours bon. On va s'approcher du truc critique, je ralentis. On prend le B. Oh, ça fait 0. Pouf, 5. Voilà, 14. Là, ça vaut 14. Dans ce cas-là, on prend ça et boum. Inbox. J'accélère. Oui. Et oui. Il va falloir faire un truc qui s'appelle 0. 0. Et juste au début, on va copier case et on va mettre dans 0. Parce qu'il va falloir, une fois ici, copier from 0 et copier dans case et puis copier dans compteur. J'accélère. Hein. M'en voulez pas. On l'a déjà vu plein de fois. Avec le petit bruit de bip bip. C'est la fin, on met 5, on met 0 là et là. Et on recommence. Oui, pourquoi il le fait deux fois? Ah, il n'y a pas besoin de le faire. Le compteur, on s'en tape. Bah alors, à quoi ça sert? Ah, bon, on va faire là, copier from 0. On le met dans compteur. Et dans case. Et dans case, voilà. Copie tout, case. Voilà, bon, c'était juste de l'optimisation. On va le balancer à fond, j'espère que vous suivez. Allez, on est reparti pour une autre lettre. Ça va bien se dérouler, ma foi. Allez, on y retourne. Dernière lettre. Par contre, là, je pense que les défis d'optimisation, on va les exploser. C'est parti. Ah, c'est ce comment. Blah, 35. 469. What? Bon, allez, où est Carole? Bonne question. Alors, je vous propose qu'on écoute la pause café.
Where's Carol? Oh my god. This coffee is amazing. Back to work, ladies. Breaking news. Previous reports of Machine Army evaluate to false. Everything equals 100% fine. Weather within pleasant tolerance parameters for human skin layer. You're all going to be fine. Okay. Je rebaisse le son, voilà. Mais étonnant, étonnant. Bref, eh ben, je vous propose qu'encore une fois, on s'arrête sur cette énigme de Carole qui est tombée, et de ce bon café, et de cette présentatrice robot. Comme toujours, dans ce jeu, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Bref, comme vous avez pu voir, on fait de moins en moins de niveaux hein, dans un épisode, c'est parce que ça devient beaucoup plus compliqué. Mais... on approche de la fin, les amis, c'est bientôt fini. Allez, encore 2 ou 3 épisodes et on aura terminé cette petite série sur Human Resource Machine. D'ici là, portez-vous bien et puis à la prochaine. Salut, salut!